T'as fini de coudre et il te reste l'élastique à mettre dans la taille par exemple de ton short comme ici. Là, je te montre comment faire. En fait il me reste un petit trou quelque part parce que j'ai pas entièrement cousu la doublure de ma ceinture. Ici j'ai un trou et donc je vais enfiler l'élastique dedans. Voilà mon élastique. Une épingle à nourrice. J'épingle mon élastique dans le trou de ma ceinture et je vais commencer à faire l'accordéon avec mon épingle à nourrice. Donc c'est parti. Et évidemment, il ne faut pas que le bout de l'élastique parte dedans, sinon tu as tout perdu et tu es obligé de tout recommencer. Petit voisin qui mange du pissenlit, c'est un moineau. Récupérer l'élastique sans qu'il se barre. Voilà, hop. Là, je peux plus rentrer mes fesses là-dedans. Donc j'étire. Le compliqué, c'est parce que l'élastique ne se plie pas à l'intérieur et se torde. Et du coup, après, c'est inconfortable d'avoir un élastique qui se plie en deux dans la coulisse, en fait. C'est que je vais vérifier que tout mon élastique, en palpant comme ça, est bien dans le bon sens. Là, là, c'est plat, là, c'est plat. Là, ça a vrillé. Hop, je le remets dans le bon sens. Voilà. Là, c'est vrillé aussi. Ah, mon élastique est parti dedans. Non. Je dois pouvoir passer les doigts. J'aurais pu me prendre les plinques dans la figure. Ouais, bon, j'essaye de le choper. Là, je vois que mon épingle est là. Hop. Parce que c'est ouverte. Donc forcément, hop, elle épingle dedans. Et j'essaie de la récupérer délicatement. Donc j'essaie de la refermer à l'intérieur. Voilà, casser la tête d'épingle. Je vais faire une couture là, comme ça, en superposant sur 1 cm. Je vais faire des piqûres zigzag, point droit, etc. pour que ça tienne. Voilà, je fais ma couture. Et du coup, hop, comme ça, je peux rentrer mon élastique sans me poser de questions. Voilà, il n'y a plus qu'à équilibrer les petites fronces. Donc, après, quand on a fait, on finit sa petite couture. Là, on avait laissé l'ouverture. Donc ici, on voit, il y a l'ouverture. Hop, je retends, j'étire à cet endroit-là. Et je fais ma petite piqûre ici. Après, il y en a qui s'amusent à fixer l'élastique en faisant une piqûre sur le côté, là, sur la piqûre de... sur le, sa ceinture côté. Bon, je ne le fais pas, mais voilà. Hop. Et après, j'essaye pour voir si ça me va. Je vais essayer tout de suite, d'ailleurs. Mon épingle, je l'ai pété.